En électro, au Centre professionnel de Lévis, on a plusieurs équipements pour apprendre les multiples compétences qu'il y a dans le DEP en électromécanique et système automatisé. Entre autres, la presse canette, les simulateurs qu'on a pour tous les trucs logiques qu'on a à faire. On a une mini-usine au complet. Dans l'atelier, on a des tours, les fraiseuses, des soudeuses. On a même un local d'hydraulique, le local de pneumatique. Les ateliers qu'on a pour faire toute l'électricité, l'électronique. Puis on a un local juste pour les moteurs électriques aussi.